Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera la première vidéo fitness de ma chaîne. On va se concentrer aujourd'hui sur les fessiers. L'été arrive, on a tous envie d'avoir un beau fessier bombé pour aller à la plage. Alors je vous propose de faire cet entraînement qui sera un niveau débutant. Et il y aura d'autres vidéos avec un niveau un peu plus élevé. Alors j'ai reçu il n'y a pas très longtemps de la marque I Love My Popotin un élastique qui permet de travailler les fessiers. Donc je vais faire la vidéo avec cet élastique là. Sachez que n'importe quel élastique de fitness fera l'affaire. Et certains exercices sont également faisables sans élastique mais avec des poids au pied. Voilà, j'espère que vous êtes prêts et c'est parti. On commence par enfiler ses chevilles dans l'élastique au niveau 3 et 4. Ensuite on joint les pieds. Et on lève le genou jusqu'au nombril. On est parti pour faire 20 répétitions de chaque côté. Ok, le deuxième exercice, il va falloir enfiler les chevilles au niveau 1 et 3 de l'élastique. Vous vous tenez à une chaise ou comme moi à une armoire et vous allez envoyer la cheville vers l'arrière. Le dos doit surtout rester bien droit et ne pas faire balancer avec le corps. On envoie bien la jambe vers l'arrière et on contracte le fessier lorsque la cheville est en haut. On essaie de faire des mouvements amples et de contrôler la montée et la descente. On est parti pour faire ça 20 fois de chaque côté. Et cette fois-ci, on va faire 2 séries de cet exercice. On continue avec le troisième exercice. On enfile les chevilles au niveau 3 et 4 de l'élastique. On se met à quatre pattes et on s'appuie sur les coudes. Et là, on va envoyer la jambe arrière vers le haut avec la jambe tendue. On lève le plus haut possible et surtout on contracte bien le fessier une fois en haut. Et pour cet exercice, on va faire 25 répétitions. Et pour cet exercice, il y aura donc aussi 2 séries. Et pour finir, on va faire l'exercice du bridge. Donc pour ça, on maintient l'élastique avec les mains de chaque côté. Personnellement, je mets les mains au niveau 2 et 5 de l'élastique. On pose les mains au sol et on lève le bassin. Surtout, il faut bien faire attention de garder les mains au sol, c'est ça qui va faire la résistance. Et là, on est parti pour 25 répétitions. Voilà.
Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu et que vous aurez bien transpiré. Laissez-moi un petit commentaire pour me dire si vous avez trouvé ça facile ou difficile. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu sous la vidéo, ça fait toujours super plaisir. Et surtout, si ce n'est pas encore fait, pensez à vous abonner à ma chaîne pour être au courant des vidéos que je publie. Pour ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et je vous fais de gros bisous. Did I go too far? If I did, then I was wrong. Should've known this happened.